Salut tout le monde, salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Family Dynamics Challenge avec Ophélie qui se réveille. Je vais prendre soin de ses besoins mais elle va plutôt bien. What? Oh, c'est Halloween aujourd'hui, mais oui, tiens, on va donner un bonbon alors. Allez, hop, on va donner un petit bonbon. Regardez comme elle est belle. Elle est mal à l'aise par contre. On lui a donné un bonbon, mais c'est hyper triste. Nous généralement on lui donne une petite poignée de bonbons. Non, elle donne un bonbon. Bon, comme vous pouvez voir aussi, il lui reste pas beaucoup d'argent vu que j'ai bien bossé sur la cabane. Mais elle est super mignonne cette petite cabane, hein. Mais ouais, on a plus d'argent quoi. Il y a des petits poissons, on va capturer les poissons. On est vraiment sur une végétarienne bizarre qui pêche. Elle bosse dans 30 minutes, elle va jamais avoir le temps de manger, purée, c'est pas possible. À chaque fois. Oh non, regardez, elle mange sur la chaise. Je n'ai pas mis de petite salle à manger parce que du coup elle a plus d'argent. Et c'est vrai que du coup je pensais la mettre dehors, mais là elle part au travail. Ok, stagiaire à gérer. Ophélie s'est vu attribuer un stagiaire à former et diriger. Comment doit-elle gérer son stagiaire? Oh, elle a gagné du charisme. Waouh, trop bien. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Elle a volé une petite voiture au travail. Regardez-moi ça, ça augmente le fun, c'est génial. Et elle a atteint le niveau 3 de la compétence fitness. Waouh, ok. On va pouvoir récolter quelques plantes. Tout récolter, hop. Pour les mettre dans le frigo, maintenant qu'on a un frigo, qu'on peut cuisiner avec nos plantes, c'est trop bien. Et elle travaille dans 3 jours, donc là on a large le temps de s'occuper de ses compétences malice et jardinage. Hein. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai rajouté des criminels dans la save, et du coup j'ai des petits poteaux pour mon groupe, c'est cool. Et puis du coup je vais juste aller la faire dormir pour le moment parce que faut qu'elle dorme un petit peu. Ok, Ophélie se réveille, elle va un petit peu jardiner puisque le jardin demande à être entretenu. Et Ophélie, tu es si tristement célèbre que l'un de mes amis sans scrupules a demandé à te rencontrer, puis je lui donnais ton numéro. Ok. Mais ce papy là, il m'embête depuis longtemps là, il voulait qu'on aille au festival de l'amour ensemble aussi, j'étais là, t'as 2 fois mon âge. Et Ophélie, j'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet, principalement du négatif, mais ce n'est pas grave, en général les gens ne m'aiment pas non plus, on devrait faire quelque chose ensemble. Sarah Lama? Mais qui est Sarah Lama? Ça doit être une descendante de je sais pas qui. Oh, Emile a eu un petit bébé. Oh là là, ça devient un bazar pas possible cet arbre. Là, tu vas aller pêcher du coup, puisque on a besoin d'argent. J'aimerais bien qu'elle bosse un peu plus son jardinage, mais c'est un peu compliqué quoi quand on a très peu de quoi jardiner. Oh, elle a pêché un appareil photo, mais c'est des poissons que je veux par un appareil photo. Regardez-la comme elle est heureuse. Elle a pêché un discus. Elle a cherché des coquillages aussi à un moment, je pense, comme ça on va se mettre bien. Mais là, pour l'instant, son fun remonte, donc ça me plaît plutôt bien. Un poisson rouge. Oh, on va le garder. On va garder le poisson rouge et on va le mettre dans un petit bocal. Et voilà, on a notre petit poisson dans l'aquarium. Il a l'air super stupide. Oh là là, je vous jure. Et elle atteint le niveau 6 de la compétence pêche. Oh non, il pleut! C'est une blague, il y a de l'orage en plus, je vois qu'elle est effrayée. Je lui ai acheté une petite table aussi, vu que j'ai acheté un aquarium, je lui ai dit, allez, c'est l'occasion. Bon, Ophélie se réveille à 6h à peu près. Il y a toujours de l'orage, mais j'ai l'impression que ça s'est calmé là. Et puis c'est la fête de l'hiver, je sais pas du tout avec qui elle va la fêter, avec son petit groupe de poteaux criminels je pense. Oh non, mais cherche pas des coquillages dans tes plantes, tu vas rien trouver. Réunion du groupe Les Criminels a commencé. Voilà, on se retrouve à Oasis Springs dans un bar. Tu vas peut-être enfiler quelque chose de chaud toi, parce que t'as pas si t'habilles en maillot de bain, mais c'est plus trop possible là. Et puis on va aller s'asseoir ensemble ici je pense. Oui, on peut essayer de voler un truc. Oh, je peux essayer de voler le piano. Oh, ça me tend très bien. Ok, on va discuter un petit peu. Essayons d'être un peu amical pour le moment. Donc voilà, tout ça c'est nos collègues. Ils sont tous criminels et ils sont tous en train de partir. Ok, super, j'adore. Il vient d'essayer de voler quelque chose, je rêve. On peut faire de la malice par contre entre nous, je pense. Ça doit pas être trop problématique. La question aussi, ça va être qui sera le père de notre enfant. Mais non, mais il y a Sion, c'est pas vrai. J'allais dire, elle s'entend bien avec Chad, mais non, en fait, elle parle juste beaucoup et ils s'entendent pas trop. Ah, avec Cory, ils s'entendent plutôt bien. Et avec Trey aussi. Ok, ils ont vraiment des noms américains. Hein. Et avec Holly, ils s'entendent pas trop. Ok. Dommage, je voulais que ça devienne son amie. Elle lui a fait les poches. C'est pas vrai. Oh non, trop triste. Bon, au niveau de la compétence, ça augmente. Hein. Moi, c'est tout ce que je vois. Je pensais qu'elle allait devenir poteau avec son groupe de poteaux justement, mais en fait pas du tout. C'est plutôt l'inverse, elle va se faire des ennemis au sein de la carrière criminelle, c'est plutôt embêtant. Et elle est au niveau 7 de la compétence malice. Et elle peut décrire l'apocalypse. Allez, on va décrire l'apocalypse à Holly. Mais en vrai, moi je veux voler le piano en fait, enfin, genre, c'est trop génial. Venez, on va chanter en duo de la country avec Hollywood. Oh, j'avais pas tilté son nom. Bon, elle a pas besoin de fun, vu qu'à mon avis, c'est bien amusé à voler les gens. Mais voilà, on fait quand même du karaoké pour avoir un peu de fun. Essayez de voler le piano. Oh merde, elle a pas réussi. C'était évident. Ne pas parler du club du crime. Ouh. Il ne faut pas parler du fight club. Je
pense que c'est une référence à Fight Club. Je pense qu'on va arrêter cette réunion. C'est une catastrophe, on s'entend avec personne sauf Cory. Et on a des factures. Waouh, trop bien. On va les payer hein, avant qu'on nous coupe l'électricité durement acquise. Oh non, il y a le père hiver chez nous. Bah attendez, présentation polie, demander un cadeau. Oh mais elle est bien amie avec lui hein. Oh, opale de feu, bah je le vends. Hop là. Et on va faire dodo. Elle travaille dans 17 heures à peu près, donc elle travaille bien aujourd'hui, ça c'est cool. Elle se réveille, il est 8 heures, elle est triste parce que le jour de l'hiver était pas ouf ouf du tout, mais moi je m'en fiche, hein, clairement. Il y a plus d'orage, j'ai l'impression, donc ça c'est cool. Et puis on a quelques plantes à récolter, donc c'est plutôt chouette. Je sais pas si je vais les récolter, je vais peut-être les vendre vu qu'on a pas mal de trucs déjà. Ah, elle a trouvé une petite conque. Elle a trouvé deux petites conques. C'est pas ouf au niveau du prix, mais c'est pas grave. J'aimais bien dans les Sims 2 Bon Voyage, on pouvait garder les bijoux et ça nous faisait des nouveaux bijoux avec des coquillages dessus. C'était trop bien. Et je pensais vraiment que c'était ça aussi, mais en fait, non, c'est juste de la déco. Tu vas aller pêcher. Elle travaille dans 5 heures. Et elle est toujours au niveau 5, hein, donc j'aimerais bien qu'elle ait une promotion au bout d'un moment quand même. Donc j'avais pas vu, mais aussi pour son aspiration, il faut qu'elle participe à 5 bagarres, donc on fera ça. Et elle vient de pêcher un mérou céleste, et je crois qu'elle travaille bientôt. Normalement, elle devrait avoir une promotion, vu la barre de performance. Oh ok, alors on doit sélectionner une carrière pour Ophélie entre Oracle et Patronne. On va faire Patronne quand même. Ok, super, elle a été promue. Elle a gagné 1148 Simflouz et elle est addict au travail. Gros de travail, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Du coup, bah, va prendre soin de ses besoins et... Voilà, on est enfin au niveau 6, ça y est. Il faut qu'elle fasse des interactions méchantes cette fois-ci. Ok, Ophélie est réveillée, il est 11h. Franchement, t'abuses Ophélie. Il est 11h et je propose qu'on aille participer à des bagarres. Alors, je sais pas où, mais on va essayer de trouver des sims. Bon, en fait, elle est toute seule parce que visiblement, les autres ne sont pas dispo. Je sais pas si c'est parce qu'ils travaillent à cette heure-là. On va quand même pouvoir se battre. Alors, présentation grossière. Se battre. Allez, hop, c'est parti. Alors, je sais pas si les bagarres, on peut en faire 5 avec la même personne. Elle a gagné la bagarre. Réputation atroce. Et elles sont ennemies. Ok, ça me va. Oui, ok, on peut se battre avec la même personne 50 fois. Alors elle, elle est enceinte, elle aussi. Ouais, on peut se battre qu'avec toi, ma chérie, donc reste ici, s'il te plaît. Ah, étape terminée. Être témoin de la mort d'un sim et atteindre le niveau 8 de la carrière criminelle. Ouh, carrément. Mais c'est hyper tendu. Il va falloir tuer quelqu'un, en fait, clairement. Et en fait, c'est la dernière étape de l'aspiration, d'être témoin de la mort et d'atteindre le niveau 8 de la carrière criminelle. Donc, bah, purée. En fait, c'était assez rapide. Oh, on va boucher la canalisation. Comme ça, ça lui fera bosser la malice. J'ai une opportunité lucrative pour quelqu'un qui ne pose pas trop de questions. J'ai besoin que vous gardiez un tas de simples que je prévois de blanchir une fois que l'affaire commence à être oubliée. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait légal ou moral, mais cela remplira vos poches. Cela vous intéresse. Prendre l'argent. Ouh, trop bien. Je suis en train de détruire le bar, je suis atroce. Oh, elle a volé une chaise. Ils sont en train de tous voler des chaises, ça me fait trop rire. Mais en fait, j'étais en train de me dire, il n'y a pas de chaises sur cette table, mais c'est trop, il y en avait à la base, c'est juste qu'ils les ont toutes volées. Oh mince, elle travaille aujourd'hui, c'est vrai. Ouh loulou. Elle a atteint le niveau 8 de la compétence malice. Super. On va pouvoir rentrer à la maison. Ok, elle est au travail. Stagiaire à gérer. Ophélie s'est vue estrivée à stagiaire, viens lui faire faire le café. Gain de performance moyen, carrément. Ah ouais, vu qu'elle est bourreau de travail, ça avance super vite. Oh, on a plein de plantes à faire évoluer. Elle est très fatiguée, mais on finit le jardinage. Les plantes avant le sommeil. Elle s'est fait des petits pancakes et elle peut enfin manger sur une table avec le beau temps. Et je pense que comme dit, je vais l'envoyer au travail. On va voir ce que ça fait, hein. Peut-être que ça va aider. Ça lui donne juste des points de satisfaction, mais c'est nul, moi je vais aller au travail. J'ai trop le seum. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et bon jeu sur les...